Mesdames, messieurs, bonsoir. Mon nom est Mélanie Chartrand, à titre d'agent d'information de la délégation de la Rive-Sud. C'est à moi qu'on a donné la tâche d'animer le début de cette rencontre. Donc, ce soir, nous allons transmettre là, les derniers détails concernant la participation des Jeux. Nous répondrons aux questions sur les points qui ont resté en suspens lors de la dernière réunion. Nous annoncerons aussi le nom du ou de la porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture. Nous finaliserons la remise des costumes, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les costumes. Vous avez juste eu les chandails, mais à la fin de la réunion, les entraîneurs vont retourner chercher là, ce qui manque là, dans les sacs, casquettes, les shorts et le chandail, l'autre chandail. Mais avant, j'inviterai Mme Monique Bastien, conseillère municipale de la Ville de Longueuil, à vous adresser un petit mot. Entraîneurs, chefs de mission, chers parents et vous, chers athlètes de la Rive-Sud, bienvenue à Longueuil, bienvenue chez vous! Le début de la 49e finale des Jeux du Québec est dans moins de 8 jours. J'espère que vous êtes prêts, parce que nous autres, on l'est! Franchement hâte d'aller vous encourager. Dès la semaine prochaine, Longueuil vivra au rythme du plus grand rassemblement sportif au Québec, une grande fête dont vous serez les vedettes. Oh oui, il y en a une là! Hey! Cette 49e finale des Jeux est toute spéciale. Pour reprendre une expression bien consacrée, la Rive-Sud aura l'avantage de la glace, la foule sera derrière vous, elle vous appuiera tout au long des compétitions. Sincèrement, je suis très privilégiée de vous accueillir ici ce soir et d'être entourée d'autant de jeunes athlètes talentueux. Vous serez 217 athlètes dans la délégation de la Rive-Sud à incarner l'avenir de notre région durant cette 49e finale. Croyez-moi, vous êtes des modèles, une source d'inspiration pour nous tous. Bravo! Au nom de la mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, et au nom de toute la population de Longueuil, je vous souhaite la meilleure des chances pendant ces Jeux. Profitez-en pour vous dépasser, vivez pleinement cette expérience de vie unique et surtout, amusez-vous, c'est l'essentiel. Bon jeu, merci. Bonne soirée. Merci, Mme Bastien. Maintenant, je demanderai à Mme Denise Marion, directrice générale de la 49e finale des Jeux du Québec, à venir nous adresser un petit mot. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, 8 jours avant le jour 1, on vous attend depuis 2 ans et demi, on vous prépare le terrain. J'espère que ça va être à votre goût. L'équipe 2014 a travaillé très, très fort. On a aménagé depuis lundi à la centrale administrative qui est ici au Cégep. Donc, tout le monde est fébrile. On a hâte de vous voir en délégation, parader. Hâte de vous accueillir, puis on espère que ça va être à votre goût, puis que vous allez effectivement avoir du plaisir pendant la période du 1er au 9 août, premier bloc, deuxième bloc. Donc, on vous attend, on est prêts. Merci, puis bonne fin de soirée. Je vous présente le chef de la délégation de la Rive-Sud, M. Jacques Legault. Merci, Mélanie. Merci à Mme Marion, Mme Monique. Il y a d'autres aussi. Ah, je salue en passant Mme Liliane, qui est la responsable de la programmation sportive à la 49e. Elle a travaillé fort pour que les installations soient prêtes et à votre goût. Hein? Bon.
Pour débuter, je tiendrais à remercier ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour la préparation, pas de cette soirée, mais de votre participation en tant qu'athlète. Je parle ici des responsables bénévoles qui, dans tous les différents sports, ont pris du temps, de l'énergie, de l'organisation pour faire les sélections régionales sous différentes formes, que ce soit là, des compétitions ou des grandes sélections. S'il y a des gens en arrière de ça qui ont mis du temps pour que vous puissiez vous sélectionner et représenter la région. Il y en a quelques-uns. Je ne pourrais pas les présenter tous parce que t'as que je vais en oublier. Mais j'aimerais ça que symboliquement, vous les applaudissiez là, au niveau des athlètes cette fois-là. D'abord, je vais vous présenter Caroline Brisson-Saint-Pierre, qui, elle, va être attachée au baseball. Il y a également Michel Legault, qui va faire le vélo de montagne et le BMX. C'est un gars qui pédale, tu sais. Il y a Julie Larivière, qui va faire l'eau libre et le sauvetage sportif. Un pédale, elle en nage. Yannick Messicotte, qui va faire l'athlétisme et le triathlon. Lise Robichaud, qui va faire la natation en piscine et le soccer. Sébastien Côté, qui fait le tennis et le basketball. Christine Roberge, qui va faire le tir à l'arc, attribué au tir à l'arc. Elle fait flèche de doigt. Annie Carole, en volleyball de plage. Sabrina Larivière, pour le volleyball et la voile. Il y a deux autres personnes qui sont pas ici, mais je vais vous présenter celles qui sont ici. Donc, vous avez remarqué tantôt, pour une personne qui va s'occuper du secrétariat, donc celle qui va prendre les appels que vous allez avoir, savoir tout ça, et faire tous les suivis au niveau des horaires, ces choses-là, c'est Mme Sabrina... excusez-moi, Sabrina. Elle est déjà là. Elle est partout. Oui, c'est Sandra Monette-Roy. Et deux personnes qui vont assumer conjointement la responsabilité au niveau des communications. Là, on parle ici de relations avec les médias, communiqués de presse, besoin de photos, Facebook. Parce que ça, on en parlait, on a une page Facebook des Jeux de Québec. Et il va y avoir plein d'affaires dessus. Et vous allez pouvoir mettre des affaires dessus si vous êtes amis avec nous autres. Ou si vous dites si vous aimez. Si vous n'aimez pas, bien là, vous ne pouvez pas. Mais je ne l'ai pas. Donc, je vous présente celle qui va être là-dessus, Nancy Boucher. Celles qui vont compléter, il s'agit de René Sarrazin, pour ceux qui les entraîneurs, donc, qui vont agir comme adjoint. Et également, il va y avoir Josiane Lessard, qui va être responsable du sport équestre et du cyclisme. Mais dans leurs deux cas, ils sont à l'extérieur du pays. Je voulais qu'il y en ait en Floride, donc je ne sais pas trop quoi. J'ai dit vraiment pas quelqu'un des Jeux. Il va aller en Floride, il vient pas ici, mais il revient pour les Jeux, il va être ici, puis il va rester tout le temps. Fait que je vous présente, c'est ça, la délégation de la mission Rive-Sud, été 2014. Lors de la finale, dans chacun des sports, les entraîneurs vont identifier le ou la athlète qui s'est plus démarqué, non pas juste en termes de performance sportive, mais en termes de comportement. Et chaque athlète dans chaque sport va être invité au printemps prochain à une soirée, va être honoré. Et parmi tous les jeunes qu'on aura eu comme soumission, on va remettre 4 bourses là, d'études de 250 $. Les parents aussi sont invités à cette soirée-là. Donc, je pense que l'esprit sportif, comme on dit, ça compte, mais ça compte à ce niveau-là, ça peut être aussi intéressant. Fait que les entraîneurs vont vous surveiller en termes d'esprit sportif à ce niveau-là. Les missionnaires aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'autre, il est plus général là, comme tel. Donc, il vous reste à vous présenter le ou la porte-drapeau pour l'ouverture. Bon, à ce moment-là, cette année,
Il s'est porté sur un jeune. Déjà, limite, c'est les filles, là. C'est un jeune. Qui se démarque autant par son enthousiasme que son amour du vélo et par sa polyvalence, parce que c'est le seul athlète de la Rive-Sud qui va participer aux deux blocs de compétition, soit en vélo de montagne au premier bloc et en cycliste sur route au deuxième bloc. Donc, je vous présente le porte-drapeau pour la Rive-Sud pour la cérémonie d'ouverture de la 49e finale, qui porte justement le costume officiel complet, là, pas juste le gilet, tout équipé. Là. Check bien ça. Et qui est accompagné de la mascotte Carbone. Il s'agit de Félix Dalpé.